Bonjour à tous, c'est Drinix sur le micro pour la communauté What's Sur Game et aujourd'hui une nouvelle VOD de Ladder avec IM Data. Comment vas-tu mon ami? Je vais très bien, et toi? Bah ça pas mal, d'autant que tu nous as préparé deux petites games assez sympatoches. Donc on va commencer par la première. Donc tu as joué contre alors Trou ou Hydra, laquelle tu préfères? On va dire. Commençons par trou. Allez Trou, c'est parti. Donc, ouais, donc IM Data, un des meilleurs joueurs de la communauté What's Sur Game, si ce n'est l'un des meilleurs, donc joueur master. Donc, comme promis, je vous avais dit qu'on commenterait quelques games de joueur master, donc, ouais, pour le premier. Alors, en ce moment, on sait pas trop, mais ça plante. Bref. Donc, en face, Trou avec son vrai compte. Parce que, oui, il faut savoir que les joueurs professionnels ne traînent pas jamais sur leur vrai compte pour qu'on évite de connaître leur strat. Par contre, pour les compétitions comme celle-là, ils le font. Ok, alors on va changer d'écran. Toi, tu joues Protoss. Tac. Alors, est-ce qu'on commande dans ta vision ou est-ce qu'on commande comment tu qu'est-ce que tu préfères? Si tu peux te mettre dans ma vision, ça serait bien. Ok, on se met dans ta vision. Donc il y avait un observateur en la personne de Scam. La Team Orbital Colossus. On va cacher le temps, même si vous l'avez déjà vu, c'est pas grave. Et donc on est parti. Donc IM Data en bas à droite. Et donc en face, Trou, joueur Zerg. Quelle nationalité lui déjà? Il est coréen lui? Non, il est pas coréen. Si? Si, il est coréen. Il joue pour un team d'Apixel, donc un team suisse, mais à la base, il est coréen. D'accord. Ouais, il me semblait qu'il était parti en Suisse avec la Gaming House de. Je crois qu'il est chez MyInsanity lui aussi. Avec petit Drogo et toute la clique. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Dites-le moi dans les commentaires hein, si je dis des bêtises. Donc voilà. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, si jamais vous aimez bien ce genre de game d'un niveau top master, enfin master top master, commenté par nos soins plus le joueur, n'hésitez pas à nous le dire. Donc pourquoi tu places la gate là? Tiens, pour la première petite question pour nos amis viewers, pourquoi la gate ici? Et pas mettons un wall sur la choc B1. C'est un. En fait, moi j'aime bien partir à gate, mettre la gate ici parce que ça me permet entre guillemets de pas faire des allers-retours constants entre ma rampe et mon Nexus tout en laissant un petit espace pour fermer et faire un wall au cas où il y aurait une pression d'argent. D'accord, ok. Ah donc ouais, juste pour éviter les mouvements de caméra. Au niveau APM, voilà, tu montes à 500 APM à peu près, donc tu spams beaucoup. Il y a un gros joueur qui spam assez énorme. Ok, parce que si je vous montre les EPM, voilà, réellement il a que 70 EPM, ce qui fait après moins que ce que j'aimerais. Alors qu'en réalité, voilà, il fait 400 APM. Comme quoi, les APM c'est pas forcément utile. Tout simplement. Pour l'instant, on est en début de game, donc rien ne. Par contre, ouais, Trou, il te casse les couilles avec son drone pour récolter. Il arrête pas de. Il arrête pas de faire ça pendant 5 minutes, il va m'emmerder avec son drone en fait. Du coup voilà, j'essaie de chasser un peu vite fait. Ok, parce que toi de ton côté, t'as scouté du coup, t'as scouté la B2, t'as scouté du coup gaz et pull late, et tu vois pas de B3. Ok. Le Allez. cyber, donc ouais, un expand standard. Par contre, tu cut les drones à 16 pour faire ton expand? Oui, je cut mes sondes à 16 et en fait j'ai fait expand à 21. Donc c'est une gate expand classique, on va dire. D'accord, elle est pas un peu plus tôt que ce que ça devrait, non? Il n'y a pas une histoire comme ça, vu que t'as cut les sondes? Non. Ok. Non, j'avais décidé de faire un opener classique et safe parce que je savais pas ce qu'il pourrait me préparer vu que en fait j'étais au premier tour de la Go 4 donc je me suis dit si ça se trouve il a pas envie de perdre de temps, il peut très bien me faire un dispo. Ok, donc là, juste pour vous remettre dans le contexte, c'était voilà, premier tour de la Go 4 SC2, donc sur le SL. Et là, tu viens de scouter le speedling en cours de production et le gaz coupé. Vérification. J'ai pas vu, mais je crois qu'il me semble que le gaz était coupé. J'ai pas vu. On va faire comme si on était dans l'intervision. Le Massive Core en avance de phase pour protéger face à quelques glings. Les queens qui sortent de son côté. Et du coup, par contre, tes supply blocks. C'est une erreur ça? C'est une faute que j'ai fait de la pression en fait, mais t'es si playbook que j'ai oublié mon pilon. Ah, en même temps, quand on joue contre Trou, on est un peu sous pression quoi.
Ok, l'Overlord qui a sa première partie. Oh, si tu devrais te tuer là. C'est quand même logique le temps que tu fasses le tour. Ah bon, bah, tu peux l'avoir en général. Bon, bah, t'as pas voulu. T'as été fair play avec Trou, c'est bien. Ah mais y'en a un autre ici. Et t'envoies un autre là. Et tu vois les glings arriver, ok. La sentry, donc lui il scoute. Pour l'instant lui ce qu'il a scouté, il a pas scouté grand chose. Enfin si, il a tout vu en fait. Il a juste tout vu. Il a pas encore eu ton vol, mais ce ne serait tardé avec ces petits glings là qui vont pas rentrer. Très très bien joué cette... De la sentry. J'ai pas compris du coup. Ah ouais. Pourtant tu l'avais mis en hold position là. J'avais, je croyais avoir mis en mode position, sauf qu'en fait pas du tout. Du coup, bah, ces 4 lignes vont faire assez, enfin, pas mal de dégâts. Bah ils vont surtout tout voir quoi. Oh le force field complètement raté. Ah t'étais vraiment stressé là. Ouais. Je t'ai jamais vu jouer aussi mal. Bon c'est pas grave. Quand je t'ai dit des jolies games. Bon on va voir comment tu t'en sors, les glings qui scoutent. La go force je la fais à 13h. À 13h en général c'est pas rare que je lag, justement. Donc il y a certains moves des fois c'est tué au lag. D'accord, d'accord. J'ai déjà buté 3 drones quand même. Ça commence à faire hein. Ouais. Allez, bah, on va en buter un 4ème, 5ème même plutôt. Ouais. Là c'est... Il me semble pas que j'étais parti sur un 5 gate pression. Je crois que j'étais resté sur 3 gates si je me souviens bien. Bah, pour l'instant t'en as que 2. Ouais, j'ai la troisième, j'ai rajouté un peu après. En fait, tu commanderas pas beaucoup d'unités, quoi. Pour l'instant, oui, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'unités en face. Je sais pas ce qu'il va me faire. Ouais, voilà, sur cette game-là, j'étais parti sur Stargate. L'autre aussi, d'ailleurs. Voilà, Stargate ici. Hein. Parce que, en fait, je m'étais dit, j'ai pris beaucoup de retard, quand même. Ça sert à rien de partir sur... une pression à base de gate, là il devrait m'attendre avec 150 roach, donc je vais partir sur Stargate. C'est vrai que ça peut être une bonne solution parce que les Void, du coup Voidray ou Oracle plutôt en général, contre qu'est-ce que tu conseilles contre Zerg? Bah, là j'étais parti sur Oracle avec la Stargate. Ce qui m'avait étonné c'est qu'en fait on dirait qu'il n'avait pas remarqué mon Oracle. Il est passé devant un dominant mais. Ah, attends, essaye de pas trop spoil la game pour les viewers qui nous regardent. Ni celle-là ni la suivante, on va essayer de commenter au fur et à mesure. Donc l'oracle en préparation comme tu nous l'as signalé juste avant. Ouais. Et le puissant d'attaque qui va se terminer. Et là j'ai vu donc en fait il a deny une première fois en V3 avec un full speedling, donc je savais que c'était ma speedling qui m'attendait en bas de chez moi. Du coup j'ai pas pris ma V3, j'ai fait mon conseil crépu. Ok, donc ça c'est en réaction des glings que t'as eu. Ouais. D'accord, ok. Par contre, l'oracle, je sais pas où il est. Ah, il est en construction. Okay. Il est arrivé. Ça aurait été pas mieux là d'essayer de prendre ton armée et de faire des force field. Oula, d'accord. Ouais. Donc là, ça va être un centre recall. T'as quand même perdu une sentry. J'ai perdu une seule sentry. Il y a quand même beaucoup de glings quoi. Donc est-ce que tu cliques toi des fois? Tu vois, les glings viennent d'arriver là. Moi, mon réflexe, c'est toujours cliquer pour voir les upgrades. T'avais vu les upgrades à ce moment-là ou pas du tout? Ouais. Bah là j'avais décidé le recall, comme ça super rien, enfin presque. L'oracle est parti tout droit en mode bonsoir, je viens faire des kills. Là l'oracle, j'ai essayé de faire un maximum de kills. Bah 4 kills, tu t'es remis ouais. Au niveau de ton adversaire, donc pour l'instant c'est plutôt pas mal. Par contre il a 140 de pop contre 80, ah, c'est trop quoi. Comme je savais qu'en général il partait... Il aime beaucoup partir Roach, parce que j'avais vu dernièrement, j'avais voulu faire une Void Ray. Ok, ok. Donc là, tu viens de scouter les Roach. Je sais pas si. T'as vu les. Ouais, là j'ai vu 3 Roach en fait devant chez moi, pour l'instant. 3-4 Roach. Mais je savais qu'il y avait encore pas mal de Roach et le reste des Speedling qui restaient devant chez moi, donc je me suis dit, ok, je vais pas sortir tout de suite. Ok, ok, ouais. Donc là, t'es plutôt en mode défensif. T'as vu 3 bases, donc pour l'instant t'es plutôt bien. T'essayes de revenir tuer quelques drones. Bon, t'as tué un, deux de plus. On va dire que l'oracle a été rentable. Mais non, en fait, je m'étais dit, s'il n'y a pas trop de roads, je suis pas mal. Donc j'attendais mon Voidray pour sortir en fait. Parce que un Voidray c'est vraiment rentable.
en plus. Sachant qu'il avait surtout Roach Bling devant chez moi, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et là, je vois en fait, il y a beaucoup plus de Roach que prévu. Et il a le déplacement. Ah oh, putain, le bureau qui fait toute la diff, quoi. Parce que là, il vaudrait pas faire grand chose. Tu te fais ouais. Éclater. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire là pour pas perdre cette game? Là je savais que j'avais perdu. Non mais je veux dire, qu'est-ce que tu penses pour nos viewers là qui regardent un peu cette game, je vais remettre la vision de tout le monde. En mode qu'est-ce qui aurait été bien de faire pour éviter cette perte de game ou pour rester au moins dans la game plus longtemps Déjà j'aurais peut-être pas dû faire tous ces supply blocks au début. C'est sûr. C'est vrai que le supply block comme ça là, avec le pylône là qui était construit, donc celui-là, il t'a mis 1 minute 30 dans la gueule, c'était ouais. Violent quoi. Et là GG. Ok bah plutôt jolie game. Dommage que tu l'aies perdu mais bon. Ça. On regarde aussi du coup les games perdus hein, pour voir un peu ce que ça donne. Bon t'as mal joué hein, honnêtement. Là j'ai vu ouais. Je t'ai connu mieux quoi. Donc, j'espère contre Hydra le coréen. Alors donne pas le résultat. Hydra donne pas le résultat. J'ai mieux joué contre Truc que contre Hydra. De mon point de vue, je pense que c'est ça. D'accord, on va regarder un peu ça, mais j'espère que t'as été un peu meilleur. Au pire ça fera des défaites. C'est vrai que je vous montre toujours des victoires dans mes replays. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez plus de défaites ou plus d'explications comme on est en train de le faire d'Ayen Data là, qui nous explique un petit peu pourquoi il a perdu, comment et qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour contrer. Parce que vous retrouvez certainement plus dans des cas un peu difficiles à comprendre comment réagir quoi. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Et puis j'essaierai de m'ajuster. J'ai des contacts, je parlais de petit Drogo tout à l'heure. Je peux éventuellement lui demander quelques games. Je sais pas s'il va accepter, hein. Je sais pas s'il aura le droit de me les donner. On verra. Mais n'hésitez pas à me le dire. Ok, donc deuxième game, toujours une GoFor, hein, c'est ça? Ouais. Ok, donc contre Hydra cette fois-ci. Toujours un PVZ. Ouais. Donc plutôt pas mal, ça fait le même match-up à analyser. Donc le Warlord qui se dirige directement vers ta base. Qu'est-ce que tu penses de cette map là? Bah cette map en fait je l'aime pas du tout franchement. Avec ses cailloux et tout, je les trouve chelou aussi. Ouais, j'aime pas du tout mais vraiment cette map j'ai détonné le début en fait. Parce que franchement je la trouve vraiment très très moyenne pour Protoss. Mais justement là, vu qu'on était sur cette map et que c'était obligatoire de jouer sur cette map, j'étais parti sur un but que je pensais qui... Dévoile pas trop la strat. Mais... je dévoile pas en fait. Là, je pense que le build que je vais faire, je pensais qu'il était idéal pour un map en fait. D'accord. Donc là, double gaz déjà. Plutôt pas mal. Moi j'aurais fait un oracle. Moi j'aurais calé un oracle avec une Stargate, tu vois, genre là. Un truc comme ça. Ou même là, tu vois, genre improbable. Après, j'aime bien faire des conneries, des cheese, c'est sympa quoi. Donc voilà. Donc petit scout, donc même build que la game précédente. Enfin c'est pas le même Zerg mais c'est un coréen, on va dire. Donc le même build pour les deux coréens. Ouais. Et pour toi c'est une petite différence avec les deux gaz, donc deux probes dans un premier temps, puis trois après le lancement normalement vers la moitié du cyber, donc ça va être maintenant à peu près. Voilà, trois ici. C'est un oubli le lot de gaz ici? Non. Ah non, ça y est. Je les mets directement de mon Nexus jusqu'au gaz en fait. D'accord. Ouais, c'est pas de perte d'attendre genre 2 secondes que la probe sorte directement. Ouais, voilà, c'est okay, ça. Ok. Donc là, Stargate, ouais, mais elle va être complètement scoutée quoi. Là, j'ai décidé de partir Stargate parce que. C'est pour ça que tu vois, moi le build, c'était un bon build, moi j'aurais fait la Stargate là, ou même encore plus improbable, genre là, tu vois.
Moi, je préfère la mettre dans ma base. Au cas où on refasse la même full speedling. En tout cas, le problème, c'est que tu vas avoir complet, enfin, t'es complètement en scouté, quoi. Parce que là, Ouais. il a juste tout vu, quoi. En plus, Ouais, je sais, il voit que j'ai t'annules vu. il voit que t'annules la gate, donc là, il a juste tout vu, quoi. Ouais. Et Alors au que le départ, je pensais tracker, pas il est là. qu'il verrait que j'annulais ma gate. Donc, mais au final, il l'a vu, Il donc. voit tellement tout, quoi. Tout ce que t'as fait, il l'a vu. Il n'y a pas un seul bâtiment qu'il a pas scouté. Il a tout vu, quoi. Donc là, je fais mon oracle, même si je savais que vu qu'il avait Ah bah vu t'as ma attendu, quoi. charrette, il aurait déjà. Là t'es Voilà. tellement attendu, il y a deux sports, enfin, deux Ouais. sports, t'as trois queens. Là tu vas juste rien faire, quoi. Investissement totalement perdu. Oh putain, et en plus tu poses le... Mec, t'as posé genre le complexe robot en dessous de son over, quoi. Genre tu vois l'over, tu dis tiens, je vais lui montrer le complexe robot, comme ça il le saura, tu vois. Donc l'oracle qui fait zéro dégâts. Si, deux drones. Ouais, deux drones, bon bah c'est toujours ça. Ouais, mais mec, en termes de pertes là, 3, 400 de pertes contre 125, quoi. Là, c'est juste. C'est juste GG, quoi. Il pose B3. Ah, t'es tellement dans la merde là. Tu transis Ah, Void mais Ray. là en fait, j'en étais sûr qu'il y avait B3 parce que franchement, il a tout vu donc c'était impossible qu'il ait pas B3. Donc je savais qu'il allait pas m'attaquer tout de suite quoi. Alors moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est fais plus de scouts. Parce que t'as très très peu de scouts. Genre envoyer une petite probe ou juste le stalker, tu vois. Le stalker en début de partie, ça a plus de que l'egling et tu peux complètement... Enfin, c'est complètement rentable, quoi. Oh la Ah, faudra que je sentry, fasse ça. hop hop hop. En fait, il snipe tout ce qu'il peut sniper et il se barre. Et il a moins de Ouais, pertes que toi. Et au pire, il bah perd il a que du pas minerai, besoin donc de c'est pas grave. fortune quoi. Ah, mais il est bon. Alors ça, j'ai jamais su comment voler sur cette map. Tellement tricky. Bon, en fait, je wall ici et après je me décale là. Et tu gères 3 points, mais c'est compliqué. Ah, moi, comme je t'ai dit, je suis pas trop cette map, donc je vais tôt. Là, ça se voit un petit peu. Là, tu lances le puissant d'attaque, ou t'as un Void Ray, mais tu t'en sers pas trop. Tu vois, le Void Ray, t'aurais pu t'en servir pour clean les overs, quoi. Tu vois, t'es passé à côté d'un over là, tu l'as pas clean. Trop bizarre, tu sais. Lui, il retire ses glings à mesure, donc il les perd pas. Oh, le contrôle map qu'il a. Ah bah c'est Hydra en même temps. Ah, mais c'est un truc de dingue, quoi. Complètement. Enfin, j'ai jamais vu ça, quoi. Le mec, il voit tout. Ah bah Et toi, c'est tu peut-être vois son rien. profil dessous. Regarde ça, regarde ça. C'est quoi ce contrôle? C'est du map hack, tu sais. Le seul endroit qu'il voit pas, c'est ce goal parce que tu viens de lui tuer Ah bah son truc. je viens de buter son dominant donc du Ah, coup je par le vois contre, plus. elle est là ton erreur sur ce game. T'es deux gaz. Ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont construits et que tu mines pas dessus. Ça, t'aurais miné dessus, t'aurais pu faire masse truc. T'aurais pu sortir plein de sentry pour pouvoir bien wall les shooters, t'aurais positionné ton armée là. T'aurais pu faire des walls et tout, tout bien. Alors que là, du coup, c'est un peu buff, quoi. Bon, après il a Sand Pop, enfin la 64. Voilà pourquoi j'ai dit que j'avais trouvé le jeu moins bien. Oh putain, mec, quand je t'ai demandé des bonnes games, des vraies bonnes games. Je sais. Ah, bon, c'est pas grave, on dira que c'est la touche à Endata. Sans que Endata n'a jamais gagné une victoire Clan War pour la Wii. C'est notre meilleur joueur en termes de Moi rentabilité sur le ladder, mais j'ai. il perd toutes ses games de Clan War. Ouais. Bah, de toute façon, là, je sais où sont ces hydras en fait. Mais en fait, il va me faire moins mal que ce que je pensais là en fait. Je vais avoir plus de mal à. Alors normalement t'es censé tout perdre là, mais Ouais, je vois. Et je vais tout perdre. c'est marrant parce qu'il utilise il utilise le Bah, désolé. patrouiller pour attaquer Hydra. Je sais pas, il a peut-être fait une suc.
Non, non, non. Chaque fois que je sélectionne ces unités, c'est toujours patrouillé. Et il a recommencé 3-4 fois d'affilée. C'est assez chelou. Mais c'est assez intelligent parce que d'un côté, si tu fais attaquer à un endroit, puis les unités vont revenir. C'est pas trop mal. Moi j'aime bien cette idée. Je vais essayer de choper ça pour mes games de ladder. Pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Bon, j'ai pas de logo master, hein, j'ai pas prévu. Mais ouais, c'est franchement assez GG quoi. Ouais, Assez GG. bah. Bon, enfin, je prévois C'est ça des draps. pour les prochaines games. Non, c'est nice, franchement, jolie petite game. Bon, t'es complètement fail, mais ça Une nous permet bonne de game, voir un petit après, peu. c'est des Ça nous permet de voir deux joueurs assez sympas, donc on voit un failles. peu. On voit un peu le niveau qu'il y a en face quoi. Pourtant, 20ème master avec un ratio pas trop. Ah si, t'as un ratio dégueulasse Ouais, bah en fait, en c'est fait. surtout mon PVT qui m'embête un peu. Parce que PVP, PVZ, je suis au-dessus de 50%, mais en PVT, je suis en dessous de Oh 40%, donc putain! c'est surtout ça en fait. 38%, effectivement, tu perds tous tes PVT quoi. Mais tu fais quand même pas mal de games, donc je pense que c'est pour ça que c'était master. Et que moi je le suis pas. Et parce que moi, si on regarde un petit peu, pour ma part, je suis top diamant, mais ça ne veut pas monter. Voilà, 6ème diamant. Bref. Ok, bah écoute, parfait. Est-ce que t'as un mot à dire à nos viewers sympathiques? Bah, merci d'avoir regardé Again, merci d'avoir regardé la vidéo. Bah, merci à toi de Et nous avoir fourni ces super games de Gopher. Donc, bah, dès que t'en as d'autres, t'hésites pas. Mais essaye d'en trouver sur lesquels tu t'éclates bien et tu roules un peu sur les mecs, ça pourrait être sympa. ouais. Ok, bah écoutez, merci à vous tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas du coup à aller liker mon Facebook, le Facebook de la WIG, ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube de la WIG et le Twitter de la WIG. Parce que j'ai complètement supprimé mon Twitter qui ne servait strictement à rien. Donc voilà. Merci à tous. Allez voir Doom Trooper aussi, mon petit partenaire. Et merci à tous. Ciao, ciao! Peace.